Sur l'île d'Amantani. C'est une île en plein milieu du lac Titicaca. C'est une île, on y accède en bateau et il n'y a pas de voiture. C'est que des petits chemins comme je vais vous montrer sur la vidéo. C'est vraiment un coup de cœur parce que tout est beau en fait. Tout est bien entretenu, tout est beau. C'est incroyable. Toutes les maisons ont vue sur le lac Titicaca. Donc là, ça fait deuxième jour qu'on y est. On vivait des turbulences émotionnelles et hier on a fait une marche. Il y a deux montagnes qui sont connectées au lieu. C'est Pachamama, Pachatata. C'est deux énergies, une masculine, une féminine. Il y a des pluies, du soleil, de la pluie, du soleil. Nous, c'est parfait parce que quand il y a la pluie, on se pose, on se calme, on se recentre. Et quand il y a le soleil, on va marcher. Et c'est magnifique, je vais vous montrer un petit peu. Voilà la petite maison dans laquelle on nous a accueillis. On a été accueillis par Jorge et Juana. Porque yo pensaba esta mañana cuando estaba lloviendo mucho de poner esto así aquí para que a recibirlo, sí. C'est moi, Roflex? Qui a dormi toute la matinée pendant que moi je caminarde Dans le Puerto. dans le Puerto et dans le Villaggio? Ce que je te propose, on y va, on va faire le chemin qu'on a fait hier au lieu de monter aux deux Pacha Sinon, Pacha. continue vers la. On continue et il y a un truc Sion del Inca apparemment et après on peut descendre vers les plages. Cette vue est irréelle. Les nuages. Regarde ça. Le beau est la nourriture de l'âme.
Voilà. 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 ¿Qué vamos a comer? Sopa de trigo. Trigo. Mais aussi je connais un truc quand même à travailler énergétiquement ici. Ouais, je pense. Parce que franchement, je suis défavé. En plus, moi j'ai dormi toute la matinée en plus. Toi, t'as été énorme. Ouais. Elle a dit qu'on mangeait quoi? Ouais, ben, j'ai dit sopa de trigo. Ok. On n'a pas dit de reste. Et qui voulait partir hier? Ouais. Enfin, ce matin, on a bien fait de rester encore, ouais. Mais je pense que c'est juste qu'il fallait. C'est du bien, un peu se pause là aussi dans le voyage. Je trouve. Ouais. De se dire, il n'y a pas de pression en fait, il n'y a rien à faire à part aller se balader. Ouais. Surtout qu'on arrive à un moment un peu charnière de notre voyage où. Ouais. On a envie de changer de pays, mais on a rien, on a fumé même pas la moitié du pays. Donc en fait, on avait partagé entre les deux. Ouais. Après, ouais. Moi je me dis, des fois faut pas se forcer, un pays tu peux toujours revenir si jamais tu veux faire. Vaut mieux faire une région et bien s'imprégner. Enfin, moi je préfère m'imprégner des lieux que de faire le tour vite, vite, vite et tout voir. Et puis d'avoir fait tout en superficiel. Ouais. Ouais. Et au final, tu vois, je me dis, juste le nord du pays, tu peux déjà faire au moins un mois et demi que le nord, tu vois, tellement c'est grand. Donc ça vaut le coup de le faire, tu vois, peut-être à part. Moi, je crois. Mais cool. Mais qui coule. Tu l'as toujours fonctionné comme ça aussi, on s'est toujours écouté. Donc. Mm. Si on ressent le besoin de changer de pays, c'est que c'est le moment. Non? Mm-hmm. Gracias. Gracias. Sopa de trigo. Elle nous a quand même fait 4 soupes différentes. Klimka, il lit un livre en ce moment. On apprend beaucoup de choses sur l'alimentation. C'est un livre de Omram Mikhail Ivanov. Omram Mikhail Ivanov, qui s'appelle Rani Yoga. Rani Yoga. En fait, on a vraiment tendance à se jeter sur son plat dès qu'on le reçoit. Et que, en fait, de juste déjà remercier la nourriture que tu as et de vraiment s'imprégner du plat avant de se jeter dessus, ça te nourrissait déjà d'autres corps que le corps physique, c'est ça. Mais du coup, c'est important de sentir déjà les odeurs, les différentes odeurs, voir les textures et surtout faire. Faire attention en mangeant, attention, manger la première bouchée vraiment en conscience et très lentement. Elle limite la suite du repas. Ouais, c'est ça. Elle définit la suite du repas. Donc, c'est raté là, on vient de parler, je vais manger, je vais me parler. Là, on parle en mangeant et en plus, je sais pas, oh, c'est vrai qu'on. En fait, on a un réflexe quoi, qu'il faut remuscler sa manière de faire. Ça va être intéressant de voir la suite. Ouais. Ah, dans 6 mois. Ah, dans 1 an. On n'a plus d'eau? Ah, merde. On demande de l'eau pour se brosser les dents.
Ha ha ha.